Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon, évidemment Forbidden West. Et on était parti pour la fin d'une quête secondaire. Après, je vous le promets, on va se recentrer évidemment sur la quête principale. On avait récupéré une autre intelligence artificielle qui était Aether. Direction, si tout va bien, Déméter. Et après, bah écoutez, on n'a plus qu'à continuer notre jeu totalement fou. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de Horizon, mais Daylight 2 est en train de se terminer. Voilà, ça y est, on approche de la fin. Ensuite, on va passer à... On va faire un focus, une concentration sur Horizon 2. Donc, tout va très, 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 très vite, évidemment. Et profitez parce que qu'en 4K 60 FPS, ça reste une aventure assez extraordinaire qu'on vit là. Alors, on devait aller libérer le frère corrompu de notre ami à la falaise. On devait rejoindre Daka, elle s'appelle, c'est ça? Daka ou Deka, je ne sais plus. Deka. Bonsoir. À la falaise. Hein. Alors elle est adorable. Il faudra vraiment qu'on fasse ce jeu, hein, au moins une fois dans l'aventure. Hein. Elle est adorable, mais où est-elle? Elle est adorable, mais je ne sais pas où elle est. Il y a un feu de camp là-haut, mais quelle merdier. Moi, j'ai réussi. Je ne sais comment, j'ai réussi. Insane. Allez, ça c'est fait. Par où est-elle? La falaise, c'est à 50 mètres. Oh là là, quelque chose. Attendez, parce que quelque chose me dit que je suis pas du tout dedans, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ok, et là c'est à gauche. C'est terrible. C'est pas où ça peut être, hein. C'est tout droit. On a un cuisinier. Ok. Alors ça, ça m'énerve parce que les villages comme ça, c'est vraiment un casse-tête. C'est bon. Allez, dites-moi. Deka, qu'est-ce qu'il y a? Aloy, contente que tu sois là. Voici Aroke, le chef de falaise. Alors tu as entraîné la championne du chef dans ta quête insensée. Et toi, tu dois être Kavo. Mon petit-fils. Et aussi un soldat qui essaie de réparer ses erreurs. Ou de nous attirer dans un guet-apens. Mes éclaireurs l'ont vu. Il était en train de fouiner autour du village. J'étais pas en train de fouiner. Je venais vous avertir. Les rebelles préparent une offensive. Ils vont envoyer une machine droit sur le village. J'ai quitté ma position quand j'ai réalisé ce qui mijotait. Il faut que vous m'écoutiez. Où sont partis les rebelles? Ils sont partis chasser la machine au nord d'ici. Je peux vous montrer. Tu n'en feras rien puisque tu seras jugé par combat. Tu as trahi ton clan. Ton chef. Le sang et les lames décideront de ton sort. Je combattrai qui vous voudrez, quand on aura empêché l'attaque. Tu dis que tu as fui après avoir compris qu'ils allaient attaquer. Pourquoi changer d'avis? En rejoignant les rebelles, je pensais que Regala allait nous mener jusqu'au combat contre nos vieux ennemis, les Karja. Mais nous n'avons fait que nous entretuer. Et pourquoi? L'orgueil? La vengeance? Alors, quand mon chef d'escouade nous a parlé de la mission de détruire ce village, j'ai quitté mon poste. Ce ne sont que des mensonges. Tous ceux qui désertent la tribu pour rejoindre Regala savent exactement dans quoi ils s'engagent. Non, pas tous. Pourquoi détruire ce village? C'est pas avec Ekaro que Regala est en conflit? Avant d'être chef, c'était un Ténac de la plaine. Nous soutiendrons Ekaro sans faillir. Contrairement au clan du désert et du ciel. Falaise est un point stratégique à mi-chemin entre le bosquet et... notre capitale sur la côte. C'est vrai. Nos ordres étaient de priver Ekaro du soutien du clan de la plaine. Pour moi, il fallait perturber l'approvisionnement, pas massacrer un village entier. Si Kavo dit la vérité, c'est tout le village qui est en danger. Nous devons trouver ces rebelles et les arrêter. Les rebelles ont établi un camp au nord de la rivière, près des falaises. Je peux vous indiquer le chemin de là-bas. D'accord. Ouvre-lui, Aroke. Non. Je ne peux pas risquer qu'il prenne la fuite. Le traître restera ici jusqu'à son jugement par combat. Alors j'invoque les liens du sang. Je prendrai la place de Kavo et ce, jusqu'à ce qu'il revienne.
Tu fais une grosse erreur, Chapelaine. Le clan a besoin de tes conseils, pas des mensonges de cet étrange garçon. Le rite est lancé. Kavo va partir avec Aloy. Alors je viens aussi. Si le garçon dit vrai, je vous serai utile. S'il nous a menti, je nous vengerai. J'ai une ou deux affaires à régler. Ensuite, je l'amènerai au point de rencontre. Bien. À plus tard. Bon, eh bien écoutez, voilà une bonne chose de faite. Rejoindre le feu, ça va, c'est pas très loin. Le point de rencontre, ça devrait pas être un trop gros souci. C'est un enfer hein, pour rentrer dans leur village, faut passer par des marécages. C'est assez terrible. Ah non, en fait, c'est juste que leur village, on dirait, il est même pas fini de construire. Mais les gars, mais quelle idée de s'installer là. Il doit être... En même temps, mettez-vous à leur place. Il doit faire hyper humide là-dedans. Ça doit être un merdier pas possible. Ça doit sentir... Bah la merde en fait, hein. Je sais pas ce que ça doit sentir, mais ça doit être horrible. Hein. Tout ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On prend dans la réserve. Très bien. Très très bien. Ça, il faut prendre aussi parce qu'on a fait des combats assez lourds. Hop, voilà. Ça, on prend. Dès qu'il y a écrit de la jungle, on prend. On a quelque chose ici, ça peut être très intéressant. Très bien. Le feu de camp dont Kavo a parlé ne doit plus être loin. Pourquoi c'est si long? Ah. Je vois quelqu'un qui attend. C'est ni Kavo ni Aroke. Ok. Sans. Des amis de Kavo, je vais devoir les éliminer pour atteindre le feu de camp. Ok, on va essayer de se la jouer. Ah, il a l'air puissant. Lui. On va essayer de se la jouer Infiltration. Je sais pas trop ce qui se passe là. Ah. On peut espérer qu'il m'ait pas vu. Ouais. Alors cherche. Visage de nuque. Mort. Ok. Bon. Donc il y avait bien un monde où ils avaient vu, ils avaient retenu mon ancienne position. Mais pas celle-ci. Ok. Ok. Là il y a du lourd, on prend évidemment. En plus de cela, regardez-moi ça. Bien sûr qu'on prend ça, mon pote. Insane. On est au niveau maximum de mon énervement. Et de mon ulti surtout. Donc je pense qu'on va finir l'aventure avec celui-ci parce que je le trouve juste incroyable. Et c'est celui que j'ai vu dans le tout premier extrait vidéo de gameplay de Horizon 2. Voilà, donc ça me donne encore des frissons et ça fait plaisir. Alors, on est parti. J'ai vu des amis à toi en arrivant, Kavo. Ça ne s'annonce pas bien pour toi. Ils devaient être en train de patrouiller. Je jure sur les disques, je savais pas qu'ils seraient là. Je vous l'avais dit. Ces mensonges sont comme une plaie. Il vaut mieux la cautériser avant qu'il soit trop tard. Non, je dis la vérité. Détache-le. Comme tu veux. Mais c'est une grosse erreur. Et mon arme aussi? Si tu penses... Rends-lui son arme, ok. Il faut se mettre en route. Passe devant.
Oh, le soleil vient de se lever. On va tous les dézinguer. Dépenser des points de compétences pour apprendre, mais ça, on connaît ça. S'il te plaît, on est en mode difficile. Oh, on n'est pas des petites salopes ici. Allez, c'est par là. Ok. No problems. Oh, deux petits coffres. Les rebelles sont postés près des cascades, pas loin. De la viande. Je suis passé par là en partant. La bonne viande chacal, on prend. Les autres ne s'attendront pas à ce que quelqu'un prenne ce chemin. Ou peut-être que si. Et ils nous embrocheront dès notre arrivée. Oh là 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 là. Voilà ce jeu, les amis. Et il n'y a personne. Comme je l'avais dit. Terrible, incroyable. Continuons si d'avancer. Beau. Ça ne me plaît pas. Ok. On doit bien l'attendre. Désolé les gars, c'est un merdier, hein. C'est un merdier pas possible. C'est pas la quête la plus folle en termes de programmation. Tout le monde se chevauche, y'a rien qui va. Mais au moins à la limite c'est drôle. Ok. Bon ça. On est bon ? On est bon. Où est-ce qu'ils sont passés ? Pas de rebelles, pas de machines. C'est bien ce que... Les munitions basse, là-bas, près des chutes. Par le sang des 10, s'ils lâchent cette chose dans falaise, le village n'a aucune chance. Il faut les en empêcher. Ici. On te suit, Aloy. Personne ne pourra nous arrêter ! Vos armes ! Mort. Je suis mort. Mort. Ok. C'était très sympa. C'était très sympa. Bon. On va revisiter. On va revoir un peu mon attaque, n'est-ce pas? Pas de rebelle. C'est quoi son point faible? C'est bien ce que... Il a une très grosse faiblesse au poison. Très bien. Par le sang des 10. S'il lâche cette chose dans la falaise, je n'ai aucune chance. Alors, il faut les en empêcher. Ici. C'est qu'avant. Ils avaient les droits vers nous. Il sort son caca lui. Ok. Oh là là. Alors attendez. Attendez. Là, quel enfer! Bon, attends, parce que là, vous êtes vraiment relou, les gars. Déjà, on va s'occuper du bordel, là. Oh!
Ok. Bougez pas. Là. Ma vie, voici ma vie. Elle est nulle, elle est bien pourrie. Je sais pas ce que j'ai tenté. Voilà. Allez, il m'a mis un coup de chicot, mon ref. Ça c'est fait. Ça va être terrible, ils sont beaucoup trop, c'est un enfer. On va se débarrasser des humains. C'est vraiment la première fois que... C'est bien ce que... Là-bas, près des chutes. Oh, le sang des dix. Lâche ces chutes. Alors il revient. Le village n'a aucune chance. Alors il faut les en empêcher. Ici. J'arrive, la vie de ma mère, j'arrive, les gars. J'arrive, je vais vous en occuper. Allez, Aloy, please! Allez, on va se calmer, on va réfléchir, on va la jouer intelligemment. Ça va le faire, je crois, cette fois c'est la bonne. Ok. C'est une blague, bordel. Please. Allez, mais montre-toi pendant que t'es empoisonné, fils de pute. Oh non, mais c'est terrible. C'est dur. En fait, il est vraiment au pire endroit. Mais il est où? Impossible. On va y arriver, les potes,
Plus de peur que de mal. 11 full charge tranquille. Allez, c'est bon, c'est pour nous les potes. J'y crois dur. J'y crois dur, je rappelle qu'on est toujours en difficile, évidemment. Vache. On a réussi. Terrible. Terrible, terrible. Ah, je suis désolé, mais là, j'ai eu des moments très énervants avec cette bête. Waouh, c'était vraiment pas agréable. Hein. Ok. Bon. Allez. On est bon, on continue. Oh là là, il y avait cette arme. J'en ai marre, je l'avais pas vue. C'est toujours la même chose. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là. Bon, ça c'est bon. Je voulais juste le récupérer. Ça reste de la flambée. On sait jamais sur un malentendu. Je crois que ça permet de faire des flèches de feu. Ouais, non. Je pensais que c'était aussi des pics explosifs. Mais pas du tout. Ça n'utilise pas la même technologie. Bon. C'était terrible. Je vais pas vous mytho que c'était terrible. Ok. Et encore, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Hop, ça on prend. Bah en fait, le côté ultra relou, c'est même pas le monstre. Le monstre est faisable et prenable, même si le décor, voilà, ce décor-là est très chiant. Le vrai problème, c'était quand tout s'acharne. Quand t'as les mecs qui te tirent dessus, qui t'empêchent de te focus sur le monstre, quand tu te focus sur le... Sur les mecs, bah t'as le monstre qui t'empêche de te focus sur les mecs parce que les mecs ils sont en plein milieu évidemment de l'arène de combat et ça c'est assez terrible. Et donc ça fait que bah tout se mélange, ça fait un gigantesque merdier mais ingérable quasi. Et c'est vrai que ça rend le truc, voilà ça, regardez, merde, mais regarde, tu vois ça c'est le problème. Aloy, accroche-toi, elle s'accroche trop peu. Ça c'était terrible, non, très mal foutu cette zone là. Et pourtant Dieu sait que les gars, le jeu, moi, vous savez que je suis quelqu'un d'honnête. Je critique quand j'estime qu'on peut critiquer quelque chose. Mais cette zone n'était pas très bien faite. Qu'on a empêché l'attaque. Il faut l'avouer. Grâce à ta mise en garde, tu viens de sauver beaucoup de vies. Allez, je vais te ramener à Falaise. Je crois que j'ai une ou deux côtes, fêlées. Par la première, je vais le ramener au village. D'accord. Je dirai à Deka ce qui s'est passé. En tout cas, sacré quête, hein, sacré quête. Hein. Donc voilà, je trouve que voilà, c'était pas, ça aurait pu être, l'arène aurait pu être mieux aménagée. C'était pas fou de se battre dedans. En fait, c'était même pas que c'était difficile. C'est qu'en fait, la position des objets et les objets utilisés, des ennemis et tout, ont rendu le truc très dur. Mais vraiment pour, je pense, pas grand chose. Parce que le monstre était largement prenable. Bon, après, voilà, c'est le mode difficile. Je vous vois arriver à 10 km. L'important, c'est qu'on ait réussi à le passer sans plus d'encombre que cela. Mais c'est vrai que c'était assez terrible. Hein. Quand tu fais le saut pour le double croix pour essayer de t'accrocher à un rebord et qu'elle s'accroche pas et qu'elle va en dessous, là, t'as vraiment envie de faire des choses assez terribles et de dire des choses assez terribles. Allez, le plus important, c'est que ce soit fait. Direction DK. Un petit décal et ça repart. Alors, on va aller où? On va aller là. Ok, on va passer ici. Oh, on va se régaler là, 30 mètres là. Bonsoir. On va récupérer notre quête et après, comme je vous ai dit, on se reconcentre tout simplement sur la quête principale. On en aura largement assez fait. Elle est où la bibiche? Oh non. Oh non, on avait ça pour le faire. Non, c'est bon. Vous voyez? Oh là là. Voilà. C'est terrible ce double saut parfois. Allez Bibiche, il est temps de sortir. Sur vous trois, toi seul est revenu. Qu'est-il arrivé? Kavo disait la vérité.
Les rebelles avaient un mastodonte. Kavo a été blessé au combat, mais nous avons empêché l'attaque. Aroké... Il regrette de l'avoir mis en doute. Ton petit-fils s'est montré honnête et plein de courage, Chaplaine. Il est loyal envers la plaine. Alors, vous allez le libérer ? Il mérite de sortir. Mais il faudra plus d'efforts pour regagner la confiance de notre clan. Je ferai tout ce qu'il faudra. Merci, Aloy. En effet. Falaise t'est grandement redevable. Accepte ceci en récompense. Merci. Quand tu seras guéri, j'aurai tellement de choses à te montrer. Bon retour parmi les tiens. Et 100% quête terminée, qu'avons-nous gagné ? Beaucoup de points de compétences et tout, ça c'est très très cool, lance-câble de périmètre, s'il vous plaît. Alors attendez, oh lolo, équiper à la place de ce lance-câble là, voilà, c'est pas terminé, modifier les bobines, augmente les dégâts infligés aux ennemis sereins ou méfiants, augmente les dégâts infligés aux ennemis renversés, augmente les dégâts explosifs, ça peut être pas mal. Ah non, faut augmenter les dégâts électriques. Voilà, parce qu'il y a de l'électricité, évidemment. Et ben voilà, une bonne chose de faite, les amis. Une bonne chose d'accomplie, une peinture de visage. Le type de munition inflige des dégâts de feu est désormais disponible dans votre inventaire. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis et savoir s'ils sont vulnérables au feu. Si vous atteignez le feu, ok, tirez sur les bonbonnes. Flambeau, d'accord. Mais j'ai pas encore d'arc destiné à cela, malheureusement. Les fils à bouclier peuvent être lancés. Oh, ça crée un bouclier géant, mais c'est trop bien, ça. C'est trop, trop bien. Ah ouais. C'est frais, j'avais pas vu ça. Bon, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et de commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure, évidemment. Et cette fois-ci, on va prendre le chemin de la vérité et la suite logique de notre quête principale. J'ai évidemment sauté à côté et je suis tombé. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.